Espèce de petit vaurien. Une distorsion temporelle. Une distorsion temporelle, que voulez-vous dire? Oh, ma tête, je me sens pas dans mon assiette. Monsieur le robot, au lieu de rester là, flotter en l'air, auriez-vous l'obligeance de nous expliquer ce qu'il se passe? Tout de suite, maître. À l'instant, nous sommes coincés dans une dimension parallèle, ce qui semble avoir augmenté de manière spectaculaire vos facultés mentales, sans vouloir vous offenser. Nos facultés mentales? Mais pour qui nous prenez-vous, des crétins? Je pense que vos rouages commencent à rouiller, mon vieux. N'ayez crainte, maître, j'ai peut-être une solution. J'ai seulement besoin de quelques volontaires. Des volontaires? Cela implique un libre arbitre. Or, comment celui qui agit selon sa volonté peut-il avoir la volonté d'agir s'il n'a pas la conscience de ce qu'il veut? Eh bien, pour présenter les choses simplement, je veux... Ah ah! Vous êtes celui qui veut. Alors, de fait, vous êtes le volontaire, pas nous. Je ne l'aurais pas mieux dit. J'ajouterai que l'altération du libre arbitre... est la première pierre dans l'édifice d'une dictature. J'ai compris, maître. Je vais m'en charger seul. Je dirais même une dictature des robots. C'est sûr. Échec et mat. Oh, joli coup. Magnifique, absolument parfait. Je ne vous le vais pas dire. Non, 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 ce n'est pas assez bien. Je n'y arriverai jamais. Je ne suis qu'un raté. C'est étrange, docteur. J'ai la sensation que quelque chose est enfoui au plus profond de moi. Est-ce que vous me comprenez? Dites, monsieur le robot, permettez-vous que je vous accompagne? J'aurais bien besoin de prendre l'air. Mais bien sûr, maître. Parfait, vous venez avec nous, docteur. Et où sommes-nous? Hé, attendez-moi. Veuillez me suivre, maître. D'accord. Et qu'allons-nous faire par là? C'est simple, maître. Nous allons décoincer notre grappin pour pouvoir quitter cette dimension parallèle afin que vous puissiez redevenir... enfin, normaux. Mode défensif. Faites attention, maître. Ils essaient de reprendre le contrôle de vos esprits. Est-ce que ça va, Doc? Monsieur le robot! Dangereusement faible. Nous devons nous dépêcher. Excusez-moi, mais je crois que c'est par là. Tous ces bois, c'est affreusement agaçant. Je vous retrouve en bas, maître. Hé! Ça alors, merci beaucoup. Hé, Doc! Tiens, monsieur le robot, pourriez-vous m'aider? Si ce lieu tu veux quitter, découvrir qui tu es, tu dois. Mais je ne sais pas qui je suis!
À l'intérieur de toi. Tu dois chercher. À l'intérieur de moi? Et au plancher? Je suis sur le bon circuit. Excusez-moi. Oh. Oh, bravo.